Les femmes enseignantes de la CARA ont célébré comme il se doit la Journée internationale des droits de la femme. Après plusieurs activités qui ont marqué cette semaine du 8 mars, ce fut place à l'apothéose qui s'est tenue ce vendredi 11 mars 2022 au lycée CARA 1. Depuis le 8 mars déjà, nous étions dans les établissements scolaires pour la sensibilisation des jeunes filles sur l'excellence académique de la jeune fille, les réformes pour relever le défi. Et déjà le mercredi 9 mars, nous avons joué un match de football contre les élèves filles et aujourd'hui nous sommes à l'apothéose. Des conférences débats axées sur le thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable » et « Le rôle et l'impact de la femme dans une nation » ont marqué cette apothéose. Nous sommes déjà un modèle pour les élèves qui passent par nos mains. Et donc, étant modèle, nous devons faire sérieusement notre travail, la tâche ou bien la fonction pour laquelle nous sommes appelés à exercer. Donc, nous devons le faire avec âme et conscience, pour donner un modèle. Et si nous voulons préparer un bon avenir pour nos jeunes filles, nous devons aussi les accompagner à travers nos conseils pour éviter beaucoup d'obstacles qui s'offrent aux jeunes filles, surtout sur les bancs de l'école. Les femmes enseignantes de la CARA ont terminé cette célébration par des réjouissances populaires.